Salut à tous et nous voilà pour une nouvelle vidéo FIFA 20 Division 7 en ligne, saison en ligne donc après la défaite avec l'OM et Liverpool ces deux derniers jours, on revient avec l'OM vu que l'OM c'est mon club fil rouge entre chaque club avant d'entamer une nouvelle série avec un autre club anglais qui sera Manchester United ou Chelsea, je sais plus, enfin ouais. Je crois que je prends Manchester. Non, je prends Chelsea en deuxième club. Ouais, c'est ça. Liverpool, Chelsea, Manchester. Ou Liverpool, Manchester. Non, je prends Manchester en général. Après, voilà, c'est ça. Donc, ça sera avec Manchester. Mais bon, pour l'instant, ça sera avec l'OM. Alors, club français. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour une nouvelle journée donc qui est donc la cinquième journée là je crois, ouais, cinquième journée, oui, vu que j'ai deux victoires deux défaites. Allez, c'est parti. C'est un FIFA qui devient vraiment de plus en plus compliqué au fil des jours, j'ai l'impression. Surtout à défendre, hein, ça devient compliqué à défendre. Hein. Allez, c'est à domicile et ça sera contre Galatasaray. Allez, c'est parti. Ok. Ça commence. Bien joué Lopez. Oh là là, déjà deux passes que je fais dans le match, deux passes ratées quoi. Trois passes ratées. Oh mais il arrive quoi là? Oh! Putain, trois passes ratées quoi, mais faut arrêter quoi à un moment donné. Allez, c'est bien joué pour Sanson qui a pas pu emmener son ballon. En fait, faut pas accélérer, hein, faut. Ça n'a rien accéléré parce que tes joueurs ils sont crevés au bout de. Regarde ça, non mais. Ils sont pris de vitesse les défenseurs, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, il n'y a pas intérêt de siffler faute là parce que je te jure là ça allait pas le faire. Jeu Falcao, ancien monégasque, donc après plusieurs années hein, sur le rocher quand même. Oh. Allez, pris de vitesse encore. Allez, vas-y, ça caille, voilà, bien joué. Alors, Germain, il est là, tu sais pas pourquoi. Benedetto. Allez, Germain. Allez, voilà, Thauvin, et ça fait un zéro. Ça fait un zéro pour l'OM. Florian Thauvin qui ouvre le score et donc qui a inscrit son deuxième but de cette saison.
Ah, dans FIFA, faut vraiment pas prendre de risques parce que. On attaque là parce que toi, on a vite fait de. Ah, bien joué. Ah, mais non. Mais pourquoi Germain, il est parti là-bas alors qu'il y avait le trou? Voilà, il va prendre un carton. Voilà, non, mais c'est hallucinant, quoi. Les arbitres dans ce FIFA, quoi. Chaque faute, ils te foutent un carton, quoi. Bientôt, tu vas plus défendre, tu vas plus mettre le pied, rien, quoi. Oh, mais Germain, mais bouge ton cul un peu. Mais c'est dingue, ce joueur, là. Il est aussi bon que dans la réalité, lui. Et il est passé. Allez, tu l'as, bien joué. Allez, paillettes. Allez, voilà. C'est qui rate la passe encore? Germain. Allez, bien joué. Thauvin. Sanson. Benedetto. Qui s'est fait prendre. Ah, ici, il faut lire le jeu, en fait. Ça sert à rien de jeter comme un veau défensivement, il faut lire le jeu ici. Voilà, il faut suivre le ballon. Il faut anticiper là où ils peuvent donner le ballon en fait. Ouais, c'est vraiment un jeu basé sur la défense, Tani. Hein. Voilà, là, je savais qu'il allait faire la passe, alors du coup. Là, par contre, les dégagements de gardien là, c'est. Ouais, y a faute là! Oh! Putain, mais les arbitres quoi! Ils sifflent des fautes de merde! Et puis là, il y a une putain d'obstruction, ils sifflent pas quoi! Non, mais c'est dingue ça! C'est dingue! Allez, c'est pour toi, Payet! Et corner! Allez, le premier! Ouais, c'est bien tiré, c'était bien frappé là. Allez, faut suivre l'attaquant, voilà, mais vraiment ça, mais il court pas là, pourquoi il court pas? Putain! Ah, mais Camara là, deux temps quoi. Putain, il est jeune quoi, merde! Putain, faut pianoter maintenant pour courir ou quoi, j'en sais rien, mais il court plus quoi. Bah ouais, mais je crois bien qu'il faut pianoter, hein. Et voilà, putain, mais ce qu'ils foutent pas de pied, ils sont à deux à l'heure. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, il a tout le temps de mettre le pied l'autre avant, il met 15 ans à mettre le pied quoi. Putain. Allez, Lopez. Allez, Benedetto, il est passé. C'est arrêté. Bah, moi, par contre. Non, mais regarde, regarde. Là, là, t'as. Il y a sa caille. Là, la vitesse où il va. Non, mais c'est dingue, ça. Incroyable, quoi. Putain. Ils sont à deux à l'heure, quoi. À deux à l'heure, quoi. Ah, mais ça va me gonfler, ça, cette année, hein. Ils courent pas les défenseurs quoi, ils ont des charrettes au cul quoi. C'est hallucinant quoi. Putain, ils courent pas quoi, sérieux, ils ont des putains de plomb dans les fesses quoi. Oh là là.
Les attaquants, ils sont plus rapides que les défenseurs, quoi. C'est. Bientôt, je vais mettre les attaquants en défense et puis les défenseurs en attaque, hein. Comme ça, au moins, je serai tranquille, hein, niveau vitesse, hein. Oh, mais les trous qu'il y a! Allez, va, Mandanda! Putain! Ah, mais les boulevards qu'il y a là, il y a un trou là-bas, tu sais pas pourquoi. Voilà, il manquait un défenseur, tu sais pas où il était. Putain. Ah, il va me gonfler ce jeu cette année. Il va me gonfler défensivement, quoi. Voilà, puis moi, par contre, je passe pas à ça. Regarde, regarde, regarde! Non, mais regarde! Ah, les boulevards, quoi! Putain, tu les vois 40 km avant, les boulevards, c'est ouf, quoi. Après, je dis ça, mais c'est pareil pour lui, toi, mais. Côté tu défends, c'est incroyable comment tu vois les défauts, quoi. Là, t'es obligé de tu regardes même plus le ballon, tu regardes où les joueurs partent, quoi. Ouais, et puis l'autre il est hors jeu, putain. Ah, Germain de merde. Putain, les premiers matchs, j'arrivais à jouer crème, mais là, tu sais pas pourquoi. Alors, tous les joueurs ont dû acheter le jeu, tu vois. Alors, du coup, maintenant, tu tapes plein de joueurs de tous les niveaux, même en division 7. Et voilà, non, mais n'importe quoi, ce carton rouge. Ouh, il y a faute, là, il y a un carton, là. Non, mais n'importe quoi. Oh là 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 là. Oh, mais l'autre, il te donne des cartons à chaque faute, quoi. Mais putain, on appuie là ta passe. Oh, mais ils mettent pas le pied, ils font rien. Putain. Là, je te jure, mais défensivement, c'est galère sa mère, quoi. C'est ouf, quoi. Putain, je veux bien qu'un jeu soit réaliste, mais là. Là, ça devient incroyable, hein. Ça devient incroyable. Mais, non mais c'est hallucinant les cartons de merde que tu te prends, quoi. C'est incroyable cette année. Incroyable, quoi. Il fouille des cartons à chaque faute, quoi. Putain. Allez, on va faire tourner, on va se calmer un coup. Allez, tu l'as! Putain! Allez, comme elle. Oh putain!
Bien joué. Allez. Allez, voilà. Voilà, allez, faut... Des fois, faut fermer sa gueule et puis se concentrer un peu. Bien joué, il a dit. Premier but pour le petit jeune. Là, ils sont cuits les joueurs là, ça y est, là ils sont morts. Là, il n'y a plus un défenseur, il n'y a plus rien, là, c'est fini. Là, ils sont tous à deux à l'heure là. Allez, à nous. Allez, je suis à 10, faut pas que je l'oublie ça. Allez, c'est pour toi Benedetto qui a pas mis son petit but, je crois, aujourd'hui. Ah, les cafouillages, quoi. Oh là là. Bien joué, bien défendu, ça. Allez, Rongier. Allez, t'y vas Benedetto. Ah, il est sorti. Il a senti le coup, le gardien. Ouh, allez, faut que je tienne. Hein. 89e. Ouais. Allez, faut que je tienne le coup, là. Bien joué, allez. Et voilà, victoire. Brouh, qu'elle fait du bien celle-là de victoire. Elle fait du bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a les sifflets, mais bon. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien au terme d'un match compliqué encore. Franchement, là, ça fait 2-3 matchs là où... Bon, même si les deux matchs d'avant c'était franchement des défaites pas méritées, mais là c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'ai gagné grâce à Thauvin et Liadji. Liadji, faut que je le marque. Donc un but pour le petit jeune. Donc voilà, donc ça fait 9 points. Il reste 5 matchs, donc la montée est encore largement possible. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre également les pronostics Ligue 1 Orange, Ligue 1 Orange, Ligue 1 Conforama FIFA 20. Donc les pronostics, donc chaque début de semaine je fais un prono, je laisse jouer l'ordinateur, hein, mais c'est avec l'OM. Hein. Donc c'est tous les pronostics des matchs de l'OM. Donc voilà, par exemple, là, celle qui va être publiée début de semaine, là, ça va être OM Strasbourg, qui sera la journée de championnat dimanche. Donc voilà, ça sera donc le prono. Je ne vous dis pas le score, évidemment, vu que c'est une vidéo regardée. Enfin voilà, merci à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle journée, pour la sixième journée de Division 7. Ciao ciao et à demain.